pour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Comment planter l'ail facilement en appartement avec ce conseil. Savoir comment planter l'ail appartement est la grande clé pour cultiver cet élément essentiel dans la cuisine, sans ajout de produits chimiques. Pour savoir comment planter appartement à l'ail et les pousses dans les petits espaces, il suffit de regarder à notre poste. Pas à pas comment planter de l'ail dans l'appartement. 1. Acheter les lunettes. Pour que l'ail peut se développer sainement, il est essentiel d'être planté dans un verre d'au moins 30 cm de haut, ayant assez d'espace pour la croissance des racines et le développement des ampoules. Par conséquent, lors de l'achat des navires, il est essentiel de noter ce détail, se rappelant qu'un verre pour chaque gousse d'ail planté, en considérant un verre de taille moyenne, est nécessaire. 2. De fines locaux utilisés pour navires. En général, l'ail a besoin de suffisamment de lumière solaire pour bien se développer. Ainsi, il est essentiel que les navires sont situés à proximité des fenêtres, balcons, etc., ceux qui reçoivent la lumière du soleil direct pendant une période d'au moins 5 heures par jour. 3. Choisissez la tête d'ail. L'ail planté pour produire les meilleurs résultats, il est essentiel d'être exhaustif dans l'élection. En optant pour l'ail frais qui sont bien et avec de grandes dents, celles-ci sont faciles à trouver sur les marchés de la rue. Comment planter de l'ail dans l'appartement. 4. Plantation de l'ail. L'ail est choisi, il est nécessaire de placer la terre dans la coupe, se rappelant qu'elle doit être humide au moment de la plantation. Le sol préparé, il suffit de prendre une tête de clou de girofle à l'ail et le placer directement sur le sol avec le point le plus mince vers le haut tandis que la base de la gousse d'ail doit être vers le bas, ou la forme des racines, en conservant la position verticale de la dent. Fait important, le trou où l'ail est planté devrait être un maximum de 2 cm de profondeur et la pointe, il ne doit pas être couvert par la terre. 5. L'eau correcte. Irrigation. L'ail doit être faite tous les 10 jours ou lorsque le sol est sec, il ne nécessite pas beaucoup d'eau. 6. Taille du stop régulièrement. Avec le passage du temps, l'ail commencera à produire une sorte de feuillage vert. C'est la soi-disant tige florale. L'ail se développer sous le sol, la hauteur de la tige ne peut pas dépasser 10 cm. Par conséquent, une fois que les feuilles atteignent cette hauteur, ils doivent être élagués. Ces feuilles d'ail peuvent être utilisées pour la consommation, et sont utilisées dans l'assaisonnement des salades, des soupes, des repas, etc. 7. Regardez la couleur de la tige. Lorsque le tronc les plus vieilles feuilles commencent à jaunir et sec, il indique que l'ail peut maintenant être démarré. Il faut souligner que, au démarrage, il doit être retiré du sol avec les feuilles et tout. 8. Laissez l'ail sec dans le soleil. Une fois retiré de la terre, les bulbes d'ail devraient être laissés exposés au soleil pendant quelques jours, jusqu'à ce que les feuilles vertes et bulbes feuilles extérieures sont complètement sèches. Après cette période, l'ail peut être stocké dans un endroit frais et sec, il peut être utilisé pour la consommation. Combien de temps est-il possible de récolter l'ail? Selon l'homme de cette plantation, tout va bien et suivre toutes les étapes de la façon de planter l'ail appartement, dans une période de 3 mois, il est possible de récolter les premières têtes d'ail sans ajout de produits chimiques. Il est important de noter que pendant la culture, si les mauvaises herbes apparaissent dans les vaisseaux, il est nécessaire de les enlever, les empêchant ainsi d'empêcher la prolifération de la plante. Cette information montre clairement que la plantation d'ail appartement est très pratique et bien sûr, en bonne santé. Une tasse avant le déjeuner et une autre tasse avant d'aller dormir. Si vous aimez le contenu et l'information de la perte de poids, des recettes, astuces pour la santé, rejoignez-nous dans le groupe Santé et Divertissement sur Facebook, vous pouvez le rechercher comme ça, et nous rejoindre pour plus de contenu et de dynamique. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités.
Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, recettes pour la chute des cheveux, conseils en amour, faites-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.